Dans ce pays, il y avait un village. Dans ce village, un lycée. Dans ce lycée, une cour. Et dans cette cour, un enfant tout seul, Lucien. Pourtant, autrefois, Lucien avait une bande. C'était même lui le chef. Dans sa bande, il y avait Lara, Manuel, Anaïs, Judith, Karina et Benjamin. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Voulez-vous savoir pourquoi ? Un matin, une nouvelle élève arrive au lycée. Elle s'appelle Khalifa. Lara propose à Khalifa de faire partie de la bande. Lucien ne veut pas. Parce qu'elle n'est pas de notre pays. Comment tu le sais? Tu es piglé ou quoi? Elle est arabe. Et alors, être arabe, ça n'empêche pas d'être comme nous. Arabe, ce n'est pas pareil que nous. Pas pareil que qui? Pas pareil que toi et moi. Et alors, toi et moi non plus, on n'est pas pareil. C'est toi qui n'es pas pareil. Ah oui? Alors salut. Où vas-tu? Voilà comment il y a eu un enfant de moins dans la bande de Lucien. Pourquoi tu dis que Lara n'est pas pareil? Tu as entendu son père? Il parle chinois. Et qu'est-ce que ça peut faire? Pour être dans ma bande, il faut que le père parle le même langue que nous. Et notre grand-père, il va aussi parler la même? Oui, et notre mère aussi, et notre grand-mère aussi. Mon grand-père parle seulement portugais, alors salut. C'est ça, les étrangers avec les étrangers. Voilà comment il y a eu deux enfants de moins dans la bande de Lucien. Tu racontes, on s'en fiche que le grand-père du Manuel ne parle pas la même langue que lui. Et si son père ne la parle pas? On s'en fiche aussi. Et si Manuel ne la parle pas, on lui apprendrait. Ah oui, les filles, bouclez-la. Adieu, monsieur le chef. C'est ça, bon débarras. Voilà comment il y a eu cinq enfants de moins dans la bande de Lucien. Boubou, va dire à ces imbéciles, ce sont des crétins. J'aime pas quand tu m'appelles Boubou. Ah oui, Boubou? Non, pas Boubou. Pourquoi Boubou? Je veux plus que tu sois mon chef. C'est ça, le papatouf avec les filles et les étrangers. Voilà comment il y a eu six enfants de moins dans la bande de Lucien. C'est moi le chef. Tu aboies comme un chat qui a peur. Descends de là et viens jouer avec nous. Vous n'êtes pas comme moi. D'accord, quand tu veux. Voilà pourquoi, dans la cour de ce lycée, de ce village, de ce pays, Lucien resta seul. Avec l'unique enfant pareil que lui. Lui. Pareil que... Non, elle a... C'est mon chef. C'est ça. Tu racontes. On s'en fiche que le grand-père du Manuel ne parle pas la même langue que nous. Et si son père ne la parle pas, on s'en fiche aussi. Et si Manuel ne la parle pas, on lui apprend...